Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon nouveau programme alimentaire que j'ai mis en place. Et là je viens de sortir de la boutique de compléments alimentaires parce que j'avais besoin de deux choses que je vais inclure dans ma nouvelle diète. Et je vais te présenter ces deux produits là maintenant, ils sont juste ici à côté de moi sur le siège passager. Donc il y a quelque chose que je prends tout le temps, que ce soit pour une perte de gras, une prise de masse ou peu importe l'objectif que j'ai, peu importe le plan alimentaire que je fais. C'est la protéine, et ici la protéine isolate. Et ça c'est une marque, bon la marque on s'en fout un petit peu, mais c'est juste parce que la raison pour laquelle j'ai choisi cette marque là, c'est parce que c'était goût, peanut butter qui est beurre de cacahuète. Franchement quand tu vois ça, regarde moi ça, quand tu vois ça là, ça a pas l'air bon quand même là. Donc j'ai pris ça, je vais goûter ça. Donc ça c'est le premier complément alimentaire qui va être inclus dans mon nouveau programme alimentaire. Et comme deuxième complément alimentaire, j'ai choisi la créatine monohydrate. Donc la créatine qui est super intéressante surtout pour le côté force, pour avoir gagné un petit peu plus de force. Et moi j'ai choisi la créatine monohydrate parce que maintenant ça fait partie d'une des meilleures créatines sur le marché. Il y a plusieurs types de créatine, mais la créatine monohydrate c'est le type de créatine qui a été le plus étudié. Ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai le même programme alimentaire et je suis arrivé à un point où j'avais envie de changer. Mais j'ai aussi surtout envie de l'optimiser comparé à l'ancien. Et là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se retrouver dans ma cuisine pour te présenter les aliments qui vont composer mon nouveau programme alimentaire. Ok, donc là, je viens de tout disposer sur la table et j'ai trié par repas. Donc, on va commencer par le premier repas de la journée et ça va être le déjeuner. Et ce que j'ai prévu dans mon nouveau programme pour le déjeuner, c'est des œufs. Bon, je te rassure que je vais pas manger les 30 œufs en un repas, tu te doutes bien, mais ça va être 4 œufs entiers pour le déjeuner avec une banane, des flocons d'avoine, je vais prendre 90 grammes, donc ça correspond à 3 sachets, et avec plus ou moins 250 millilitres de lait d'amande. Et dans mes flocons d'avoine, je vais mettre un peu de sirop d'érable bio. C'est super bon, ça ajoute un goût super parce que les flocons d'avoine tout seul, sans rien, c'est vraiment dégueulasse. Et pour le deuxième repas de la journée, je vais prendre du bœuf haché, 200 grammes, avec des macaronis, enfin c'est des pâtes au blé entier, je vais prendre 200 grammes aussi, avec un avocat, ici en entier, qui est juste ici. Donc ça, c'est ce qui va composer mon repas du midi. Et après, le troisième repas de la journée que j'ai, c'est quand je vais rentrer du travail, et c'est juste ici. Donc ça va être un gros snack avec du fromage blanc grec, donc là-dedans il y a plus ou moins 25 grammes de protéines, donc il y a pas mal de protéines là-dedans, avec des galettes de riz, du beurre de cacahuète, de la gelée de pommes, ouais c'est ça, gelée de pommes ou bien ça peut être de la confiture, et avec ça je vais prendre un fruit, c'est soit une mangue, soit une orange. Et je viens de remarquer que j'ai oublié de te parler d'un snack que je prends le matin à 10h, et c'est ici. Donc on a de la whey protéine isolate goût beurre de cacahuète que je vais mettre dans mon shaker avec 5 grammes de créatine et une pomme. Concernant mon repas du soir, c'est le repas que je prends quand je rentre de la muscu, quand j'ai fini de faire ma séance du muscu, je prends un repas, et ce repas c'est 200 g de poulet avec 200 g de riz complet, et avec ça je vais ajouter quelques légumes. Donc c'est un mélange de légumes, tu as des poivrons, des asperges, oui je pense que tu as ça, et aussi un peu de carottes. Et en tant que dessert, j'aime bien manger 2 carrés de chocolat à 85%. Donc voilà ce qui va constituer mon plan alimentaire pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et en ce qui concerne le nombre de calories et les macros, je vais te citer ça, j'ai tout noté dans mon téléphone avec une application qui s'appelle Fat Secret. C'est une application qui est pas mal si jamais tu veux créer ton plan alimentaire. Donc en termes de calories sur la journée, on est à 3539 calories. Et en termes de macronutriments, donc on est à 131 g de lipides. Laisse-moi voir pour les protéines, 228 g de protéines et 382 g de glucides. Le but ici pour moi, ça va être de maintenir mon poids, conserver ma masse musculaire et perdre un petit peu de gras. Et au fur et à mesure du temps, je vais ajuster la diète en fonction de mes résultats. Et ça, bien sûr, ça va se combiner avec un programme d'entraînement qui sera adapté à mes objectifs. Et un bon plan alimentaire, pour moi, c'est un plan alimentaire que tu vas pouvoir tenir sur le long terme et qui ne va pas te créer de frustration. Certes, si on devait analyser ma diète dans les moindres détails, c'est sûr qu'elle n'est pas parfaite à 100%. Mais me concernant et concernant mes objectifs,
objectif, c'est une diète qui me correspond. Je suis pas partisan des diètes trop restrictives parce que ton corps a besoin de calories et de bons nutriments pour pouvoir fonctionner correctement et pouvoir performer à la salle de sport. Pour avoir des bonnes performances, il faut que tu te nourrisses bien. Et dans l'une de mes prochaines vidéos, je vais aussi te partager mon nouveau programme d'entraînement, parce que oui, j'ai dû aussi changer mon programme d'entraînement. C'est un programme d'entraînement qui sera plus adapté en fonction de cette nouvelle diète. On arrive vers la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !